Arrivé à la tête de la maison Chanel en 1983, Karl Lagerfeld est depuis devenu le caissier de la mode. Figure emblématique de l'industrie et du savoir-faire français, l'Allemand est autant réputé pour son génie créatif. Il conçoit pas moins de 17 collections par an, que pour sa langue bien pendue, et ses sorties très limites, qui sont loin de plaire à tout le monde. Ce 10 avril, le directeur artistique de la maison OWC a encore frappé point dans une interview accordée à Numéro. L'octogénaire a donné son avis sur les mouvements Dies Me Too et Dies Balance Ton Porc qui ont éclos à la suite des nombreux scandales sexuels de l'affaire Weinstein. Un avis acerbe, qui, comme celui qu'avait émis Catherine Deneuve dans une tribune polémique, a suscité des réactions. Je n'en crois pas un traître mot. Karl Lagerfeld annonce la couleur lorsqu'il s'agit d'évoquer les accusations de nombreuses mannequins à l'encontre de Karl Temple, directeur du magazine Interview. Et le couturier détaillait son propos dans les pages de Numéro. Une fille se plaint qu'il Karl Temple, NDLR, lui a tiré sur la culotte, et il se fait aussitôt excommunier par une profession qui jusque-là le vénérait. On croit rêver. Si vous ne voulez pas qu'on vous tire sur la culotte, ne devenez pas mannequin barre oblique. Rejoignez plutôt l'Union des Ursulines. Il y aura toujours une place pour vous au couvent. Il recrute, même barre oblique. Une déclaration, on ne peut plus claire. Qui a fait sortir de ses gonds l'une des premières à avoir incité les victimes de harcèlement sexuel à briser le silence. Rappelez-vous, en octobre dernier, Rose McGowan avait révélé s'être fait violer, il y a plusieurs années par un homme très influent d'Hollywood. Peu après cette annonce, la célèbre actrice de Charmed avait écrit un long message, afin d'encourager les femmes à dénoncer les prédateurs sexuels, dont elles avaient été les victimes. Une prise de position entendue par beaucoup, et qui avait mis en lumière les terribles agissements d'Harvey Weinstein, entre autres. Depuis, la libération de parole est symbolisée par de nombreux mouvements, Dies Me Too, Dies Ti Me Su, ou encore Dies Balance Ton Porc en France, que plusieurs célébrités ne cessent de revendiquer jusque sur les tapis rouges. Sur son compte Instagram, Rose McGowan n'y est pas allée de main morte pour balancer sur la Lagerfeld. Karl, j'ai lu vos horribles propos hier soir. Elle m'a fait me sentir sale, écrit-elle en légende d'une photo d'elle aux côtés d'une bonne sœur. Ce matin, j'ai rencontré Sœur Irene, et elle m'a permis de me sentir légère. Je suis sûre que Sœur Irene vous pardonnera d'être un dinosaure misogyne. Mais moi je pense que vous êtes une petite âme noire, et je ne vous pardonne pas. Vous avez gagné tellement d'argent grâce au manque d'assurance des femmes. Fermez les guillemets et la comédienne de 44 ans de conclure son message en assurant qu'il est temps pour Karl Lagerfeld de disparaître sous un coucher de soleil misogyne, et d'appeler au boycott de Chanel. Un coup de griffe, qui ne manque pas de gratigner l'image du plus pointu des couturiers.